Le maga tapé. Le maga qui tape. Le maga tapé. Tic, tic, tic. Le maga tapé. C'est un canular. Et on a un sujet, un défi à relever. Donc tu vas avoir quelqu'un au téléphone que tu ne connais pas. Un numéro qu'on va faire au hasard. Dès que tu tombes sur cette personne-là, tu dois lui expliquer un truc. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour Tandy. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, ça va un peu. Hein. C'est qui à l'appareil? C'est un jeune qui se débrouille bien dans la vie. C'est un jeune? Oui. Donc Tandy, faut pas. Quoi? Qui se débrouille. En fait, Tandy, faut pas raccrocher. Je veux te parler, quoi. Je sais qu'on se connaît pas, mais c'est quelqu'un qui m'a donné le numéro. Il m'a dit que c'est une tante qui est bien, faut l'appeler ici. Peut-être elle va t'aider. Mmh. Oui, tante. M'aider dans quel sens? En fait, ça fait maintenant 2 ans que je suis venu à Abidjan. Je me débrouillais bien, tout ça. Et bon, j'ai travaillé dans une agence En fait, tante, le problème, c'est que je dois partir au village, tu vois, non? Mmh. À ce moment, mes problèmes sont gâtés, je n'ai plus de travail. Et mais j'ai... Donc, tu es un ticket de cas, quoi. Non, ticket de cas, tout ça, là, j'ai ça. Il peut bien partir, même. Mais le vrai problème, c'est que j'ai des enfants. Mmh. J'ai des enfants. Et les enfants, là, je ne peux pas aller au village là-bas, c'est pour travailler dans le champ. Mmh. Bon, c'est dur. Donc, ils sont... tu comptes faire quoi? Vraiment, attendez, il faut m'aider. Je veux venir te voir. Tu as gardé les enfants. Le temps que moi, ils partent au village, me chercher bien. Et puis, il est venu. Parce que là, ma maman même m'a dit de venir. Mais elle aussi, si elle veut les enfants, là, elle peut pas m'aider. Moi, de garder tes enfants. Oui, tanti. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 7. Ils sont 7. Oui, tanti, ils sont 7. Et puis, on t'a dit, j'ai garderie, j'ai orphelinat. Ah, tanti, bon, c'est pas ça. Et moi, en tout cas, le tonton qui m'a donné ton numéro, il m'a dit que tu es une tante qui est gentille. C'est quel tonton? Je marchais dans la rue, je l'ai croisé. Je lui ai expliqué mon problème. Et puis, il m'a dit, il faut appeler la tante. Que c'est une tante qui est gentille. Elle peut t'aider. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, tu t'es trompé de personne. Donc, tante, tu peux pas m'aider? Bon, là, 7 enfants, là, c'est pas possible. Même si tu peux prendre au moins 3 ou... Non, je peux 4. Pas, je peux rien prendre. Tanti, c'est les enfants, ils sont bien. Les enfants, mais il y a les enfants cachés aussi. Oui, mais après, quand ça va aller bien, moi, je vais venir et puis je vais te rembourser. C'est que tu as dépensé celui-là. Je vais venir te voir. Comment on va faire? Peut-être on travaille ensemble pour bien. Mais tanti, je ne veux pas laisser mes enfants ici dans la rue comme ça. Ils peuvent devenir microbes. Tu vois, non. Faut parler vite, je suis fatigué. Hein? J'étais trompé de numéro même parce que je ne fais pas ça. En tout cas, c'était Radio Jam. Tati! Tati! La piscine. Tati, c'était Radio Jam. Les enfants, la pissent au lieu. Ces enfants-là sont compliqués. Il y a bien fait de ne pas accepter. Ils mangent façon. Mais est-ce que tu sais qu'on était avec Ariel Chenet? C'est Ariel Chenet qui te parlait. Ok, super. Tu aimes bien Ariel Chenet? Oui. Tu le connais bien. Tu le connais bien. Oui, très bien. Tu l'aimes comment? Très bien. Bon, attends. Tu l'aimes comment? Attendez. Comme tu le connais très bien, on va te donner le temps de lui laisser un message. D'accord. Vas-y. Ouais. Alors, Hayete, tu t'es fait plaisir ici. Sache que je t'aime très fort. Je suis fière de toi. Je souhaite que tu ailles encore plus loin et sache que je serai toujours à côté de toi, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc voilà, je t'aime. C'était la femme. C'était sa femme. N'avait pas le truc. La femme d'Ariel Chenet. Merci beaucoup. C'est maintenant et il est en train de pleurer. Voilà, c'est un truc maratapé. Salut, Thomas, il t'a maratapé. Non, mais elle a bien joué le jeu quand même. Oui, elle a bien joué le jeu. Elle était confiée, mais si pressée, il n'y a pas le temps. Madame Ariel Chenet, on va pas dire ton prénom. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu. Ouais. Voilà. Madame Ariel Chenet, on va pas dire ton prénom, mais t'appelles comment? C'est hors antenne.
Elle s'appelle Nadia. Vraiment, félicitations. Non, mais tu joues bien. Ouais, elle est forte. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas dit que tu t'es menti au téléphone. C'est faute. Félicitations. Merci beaucoup. On a préparé ça depuis hier avec toi. Et t'es vraiment sympa d'avoir participé à ce petit jeu. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci et bonne journée.